9h25 sur Europe 1, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Alors Nadia, ce matin, une semaine du printemps de Bourges, vous aviez envie de nous parler des festivals. Oui, les indices sont concordants. De la même façon que les hirondelles annoncent le printemps, les feuilles qui tombent l'automne, l'envie de ne se nourrir que de reblochons fondus annonce l'hiver, tous les signes indiquent l'imminence de l'été. On a les promos sur les plans de chat, les cubis de rosé pamplemousse dans les rayonnages chez Carrefour. Il est encore plus difficile d'obtenir un rendez-vous chez l'esthéticienne que chez un ophtalmo. Les magazines féminins commencent à donner des conseils pour perdre 3 kilos avant le maillot, avec un régime inspiré de l'alimentation d'habitants d'un obscur pays subéquatorial. Pays qui, hasard total, détient aussi le record d'espérance de vie la plus basse du monde. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir, hein, bouffer un demi-manioc les jours pairs et être bonasse en bikini ou vivre après 50 ans. On n'a rien sans rien. Mais le fait ultime annonçant les grandes vacances, c'est bien l'annonce des premiers festivals d'été, ces rendez-vous estivaux culturels qui vont rythmer l'été des jeunes et des moins jeunes, festivals qui se divisent en plusieurs catégories. Il y a les festivals de musique dont le line-up, hein, donc les artistes qui y jouent, importe visiblement moins que les tenues vestimentaires des festivalières. Ainsi, le festival californien Coachella ou le britannique Glastonbury sont moins commentés pour les performances des chanteurs que pour les looks du public féminin. Il y a même plusieurs marques de vêtements qui ont lancé des collections entièrement dédiées à ces festivals, comme la marque Pretty Little Thing qui commercialise cette année, à l'occasion du festival Coachella, le premier string en jean. Elle est très distinguée. Alors en termes de confort et d'élégance, juste après il y a les tongs en sky, et puis c'est une tenue qui permet de rapporter de chouettes souvenirs de vacances, hein, infection urinaire, chlamydia, grossesse non désirée. Autre catégorie de festivals d'été, les festivals éco-friendly. Ce sont des festivals musicaux qui ont décidé d'être écologiquement responsables en pratiquant le tri sélectif, le covoiturage. Ils fonctionnent à l'énergie renouvelable, recyclent les gobelets. Bon là, a priori, il n'y a rien à dire, sauf peut-être un léger détail technique. Vendre sur les stands du chili con carne au haricot rouge équitable et ne proposer au public que des toilettes sèches, ça ne va pas ensemble. Je vous jure que les copeaux de bois, c'est parfait pour un hamster, beaucoup moins pour un festivalier rempli de thé vert et de légumineuses. Et puis enfin, la troisième catégorie, les festivals bretons qui se déroulent à Carré, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, qui sont de qualité, mais qui nécessitent un kit de survie composé d'une parka déperlante, d'un abonnement TER intercité, éventuellement d'un foie à double fond. J'ai découvert le chouchen et la pluviométrie à 70% au Festival Interceltique de Lorient. C'était un super moment, mais depuis je boite. Au moins, grâce à ce léger handicap, je ne fais plus la queue aux toilettes sèches. Nadia Dame, merci beaucoup. Europe 1.